On va replacer comme c'était. Eh, j'ai gagné moi. Oh, bien joué Philippe. Allez, calme. Waouh. Ah, c'est pas là. En fait, elle est sur le 6 et ça fait. Je suis. Ça peut durer des heures. Ah oui, c'est ça. C'est quoi ce jeu? C'est génial. Il est vraiment bien. C'est quoi? Non. Dans ce dé, tu poses et s'il y en a déjà un, tu prends. C'est une bien barre de pion. Ouais, bah oui, je connais. Ça va durer pas mille. Hop là. C'est combien? Mathieu, c'était prêt ton verre? Oui. Super. T'en as pas vu du coup? Non. Et Didier, il a fait que des 6. 4. Ah bon, y a pas. Ça, regarde. Ouais, tu peux arrêter. Tout seul, le pauvre. Ça va jamais se terminer si tu joues une seule fille. Ah bah oui. Donc nous sommes les faiseurs de bateaux. Alors à l'origine, le métier de faiseur de bateaux, c'est le constructeur de l'outil du maraîcher, puisqu'on est sur un marais maraîcher. Hein. Deux types de bateaux, le bakov qui est ici derrière nous, l'escut qui elle est plutôt le bateau de la vie quotidienne. Donc on est les derniers fabricants à fabriquer ces deux bateaux qui servent aujourd'hui sur le marais pour faire des visites et également pour les particuliers pouvoir se balader sur le marais. Alors, au niveau de la construction de ces bateaux, on est sur des bateaux à fond plat, donc la construction démarra par le fond. Ensuite on finira la coque pour totalement faire le squelette du bateau. On est sur la construction en chêne, on va rester sur des clous de forgeron avec un calfatage, c'est-à-dire l'étanchéité du bateau qui, elle, se fera encore au lin, encore aujourd'hui. La finition du bateau restera traditionnelle, on est sur des bateaux qui sont goudronnés, en fait, avec un goudron végétal. Après, la construction des bateaux avait 74 ans à ce moment-là. S'ils ne transmettaient pas, en fait, on ne pouvait plus construire les bateaux. Après avoir commencé l'entreprise, et maintenant, on est en train de transmettre à Valentin, qui devient le beau-frère. La barque, hein. D'accord. Non, mais je demande. Ça, c'est le père.